je n'ai pas pu te parler pendant tant de jours. Tu ne fais pas bien, Zardab. Si quelqu'un voit, je serai diffamé. Vous ne vous souciez pas. Que dois-je faire alors? Vous ne rencontrez pas. J'ai eu cette opportunité maintenant. Dis-moi, quel est le problème? Il n'y a pas de problème. Je suis très heureux. Pourquoi ne le serais-je pas? Mon mari gagne de l'argent à Dubaï et m'envoie. Tu mens? Je sais que tu n'es pas content. Je peux le voir dans ton regard. Et mon cœur donne aussi ce témoignage. Jusqu'à ce que je ne sois pas mariée. C'était différent à l'époque, Zardab Khan. Si je m'étais enfui avec toi ce jour-là, c'était ça. J'étais prêt à vivre et mourir avec toi. Tu étais alors prêt à vivre et à mourir avec moi. Ne vas-tu pas t'enfuir avec moi maintenant? Je ne t'aurais jamais arrêté comme ça. Mais Palwasha, et ton combat ne peut être terminé que par moi. Palwasha est mort pour moi. Je ne suis pas là pour elle. Je suis venue parce que ma belle famille me l'a demandé. Je jure devant Dieu. Je n'arrêterai plus jamais ton chemin. Écoute-moi seulement une fois. Ce jour-là, Palwasha pensait que nous nous étions enfuis. Et quand elle est passée devant chez toi, ton père lui a menti. Qu'il t'a tué. Palwasha pensait qu'il m'avait tué aussi. Il est venu en courant chez moi. Et ton père l'a suivi. Que dis-tu, Zardab? J'avais besoin de te dire ça. Papa. Et toi, scélérat. Si je n'avais pas peur de l'humiliation, je t'aurais tué ici maintenant. Si jamais je vous revois tous les deux ensemble, je vais tirer tellement de balles sur toi, tellement de balles que je me transformerai en boue avec de la boue. Pour que vous ne soyez jamais là comme ça. Partez d'ici, partez.